baninga tengwe kokie afike metolo de la vie mokote kwensi kweo tolo de la vie wabalo binini papike metolo de la vie veut dire tolo de la vie tolo de la vie. Bonjour et bienvenue sur tolobelavie.com. Merci surtout de votre fidélité. Je crois que mon numéro silence deux jours oyo parce que tout ça qui moi les banda. Tolobaki Moussa na biso ezali, il faut tout le kelabino ba information ndenge botin da kabiso. Alors moi deux jours tout ça qui moi les banda moke pour na moi ba raison moko privé. Mais là nous sommes de retour Tolobaki, il faut nécessairement tout ça la bino Moussa là parce que Moussa tout ça là c'est pour les Congolais. Merci encore une fois. Na batonne sur le na ndaka biso tolobi à chaque fois. Ce côté de l'émission oyo ko garder en pour na yo mon côté, partager en moi encore na moninga mususu parce que c'est vraiment important. Toi bienvenue à biso à l'autre fondement na bilili oyo. Joseph Kabila a beta ki tour na Bandal. C'était hier le 12 août. Na pomme kelele. Batoubaye est belé. Mais est-ce que Batoubaye comprend que Makambu otoza na ona lucidité? Pourquoi bon ngoko ma ça dit pourquoi bon ngi bolata corps et distraction? Pourquoi bolata esprit et distraction? Makambu lucidité? Toza encore na Makambu ezo c'est la biso di boso ya minene. C'est vrai boko ya mamutu ezo en promité. Mais na moment oyo normalement, ça moment moko il y a quoi c'est qui ça coûte bas tout ça. Il y a moment où écoute il y a quoi yembe la mutu jale lota. C'est pas la peine. Joseph Kabila quitte la Bandal n'a pas maquillé les. Et ça là qui catastrophe. Bas tu baye belé n'a évité bas tu en baye ou en a boyé pour l'ouganine. Soit ça gâte un sou bas tu baquille d'avoir passé pour moi bas 10 euros plutôt bas 10 dollars bas 20 dollars. Bon, imaginez 32 ans à Mobutu. Imaginez-vous encore presque 20 ans à Joseph Kabila. Et ça a combien? 52 ans. Oh, il y a souffrance, il y a peuple congolais. Si vous voyez que vous avez un peu Joseph Kabila quitte la Bandal. Parce que, à premier temps, qu'il fallait aller à Yawana, pas ma kelele wana. Il y a 4 jours passés, il y a eu été. Bon, politique, ça a rendu moi parce que vous avez dit que vous avez dit. Mais je suis quitté, je suis allé à Yawana, Yawana, mais au moins, tu as dit que 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 tu vraiment, Joseph Kabila, as dit président de la République. Parce que nous avons un mandat. Il faut respecter l'accord. Il faut respecter la constitution. Mibeko, l'ikonzi amboka. C'est important. Alors l'émission est là encore dans le Sabino. Comment Moïse Kabila a bandé Lela pour nous Rwanda, nous avons un alobi, tout ça qui est infiltré, tina sommet, tina mukokoli, tout ça qui est infiltré. Les lois n'a aucun moment ceux qui battent belles tant sous vos os beau battent belles ceux qui tirent les lois vos os comprennent de l'anté. Où est l'occupation zanin? Occupation zanin. Joseph Kabila lobby à Tiki. Est-ce Joseph Kabila Tiki? Pour les lois bêtes ma pauvre parce que en tout cas ça lit bien. Non. Chadar y a vos os mona. Azaki déjà préparé. Tala Chadar il a arrêté à qui a déposé candidature naïe. Tala sécurité naïe ouana. Tala batu. Au moins que non,
peperde na peperde. C'est vrai, c'est normal. Mais bah tu wana tout. Rwanda la kati wana na imité. Ma grand sous voyez, je peux ça rare moi ben méchant et vous ça rater parce que ce que tu as dit au monde que Moussa Kabila loba makambo. To kota na tourbillon moko ya merde na Congo. Oyo to koka ko bimate. Ya moza nini? Makambo za nini juste? Il faut to sola rabo ya moko. To mona Sami Badibanga, il est pas venu déposer candidature, il a foutu 100 000 $, 100 000. Mais ah ouais, la Jeep. Ce que 100 000 $, on a vu en Ouapi. Bilongi Moussa a tiki 100 000 $, pour le sommet Bilongi Wana, ça dit Elongi a galère, Moussa est zolenga. Mais quel est ça 100 000 $? Ce que 100 000 $, on a vu Yabi Missi a vu en Ouapi. Corneille Nangalobi, machine à voter toujours. Opposition pour la machine à voter, mais opposition pour qui côté on est là, on comprend. Il y a beaucoup de gens qui peuvent expliquer parce que ici, tu as l'analyse politique, mais tu as le bas. Ah ouais, ils ont la vie, tu as le bas là, tu as le bas là, tu machine à voter, mais pour qui tu peux ça, 100 000 $, la bino. Mais ce que tu as besoin pour l'élection, tu as besoin pour l'élection, mais. Sans machine à voter. Mais bon, on va dire machine à voter toujours. Et à la fin, vous avez un nid. Vous avez machine à voter. Vous avez foutu un bon endroit à 100 000. Joseph Kabila, na Corneille Nanga, balobi, baza ko insisté. Corneille Nanga, vous avez dit que Makila, peuple congolais, est un peu plus. Joseph Kabila, a été dauphin. Parce que Shadda, il y a un kaka. Attends, il y a un lien. Mais ce que je veux dire, comme il y a Corneille Nanga. Non, non, moi, je suis présent, je suis changé, est-ce que muta est-ce que... Alors, peuple congolais, il faut tous aller vigilant, tous aller à Makambo. Il faut tous aller vigilant, na minute. Non, à chaque fois, ça m'a mon fin gata. Ça m'a mon soki à nité. Mais, imaginez-vous, muta à Zolinga Kende. Mais, comment là, à Zolat encore, bah, officier, bah, pété. Ça veut dire quoi tout ça? Corneille Nanga yeba ki makila ya peuple congolais eza na mutu na yo Corneille Nanga makila ba congolais tout eza na mutu na yo na minute élection oui mutu na mususu bande ko langai to tu na ka mutu na lelo soki to kei élection machine à voter on a déjà Balobi, Nakati, Basala ou Fobasala, de Toyebi. Si vous avez une élection, la machine à voter, Boebi déjà sort dans mon souk et aux Anini. Donc, Bango va bien préparé parce que, va peut sa pouvoir le roi gâteauté. Ou les cadeaux empoisonnés, va peut sa mot bon côté. Moutako peut jamais pour l'an la boutou ou l'amgui la tongo, va se faire sur pouvoir, t'es. Va peut sa pouvoir bon côté. Mais si vous avez tous les alliés, soit au KI élection, na machine à voter. Boyebi réponse aux Alanini, na la gobima. Mais ceux qui toquent un peu si quoi élection qui prend balobi machine à voter kaka. Vous êtes une machine à voter t. Et aux Alanini, si quoi n'engenini. Magamoya moi zo kaxé bato moi mitou, er moi zo pété sur moi mitou quoi parce que tu comprends, on verra bien. Alors là, pour passer une bonne d'abord, intervention Oyo, il y a Moussa Kabila. Comment on a collé là pour ben infiltrer Kibiso, pour na niveau Oyo, occupation Kotaki. Bon, Kabino Mogo. Alors, l'autre image, pourquoi? Parce que, na lingi, tous en a réflexion. Parce que jusque là, opposition, bino tout, bozawana, tout comprend de péter, jusque là. Parce que vous avez un candidat commun. Mais jusque là,
nan bo poni biso candidaté. Alors nazo tiala bino vidéo oyo ya Moussa Kabila eza bo comprendre tango Moussa Kabila kota ki to beta ki maboko libération Tolobaki, maintenant nous sommes libres. Au moins libération, c'est-à-dire presque plus de 20 ans, c'est-à-dire ton côté la géole, tu as vraiment enfermé ton kangama. Plus de 20 ans. Mais tu mets ta libération. Alors, il est temps, peuple congolais, il faut soit temps pour réfléchir. Soit vraiment temps, il y a qu'on réfléchit parce que là, si on a un peu de temps, quand on a un peu de temps, il y a Laurent Désiré Kabila, on a un peu de temps. Tant que tu mets un peu de libération, tu as un peu de Kimi. Libération. Mais libération, on est là. Et comme occupation, tu es comme libre. Mais, dans un clé d'œil, il y a un qui est commis. Occupation, t'as comme occupé partout. Tout ça les fortes mais alors vous comprendre. Alors t'as l'ingité, bah ma cambo et wana sentiment wana t'as zaga nango parce que t'as qui encore bah ignorant sentiment. Les tambo mwamba, tambo mwamba, les zaidi mwamba, l'autre là, l'onda bouloulou. Et vraiment une kermesse de gens en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. À ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et il avait déjà fermé les valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'il n'était pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Ah, un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit que nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça n'est trop, hein. Le pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça, si seulement on avait su avant, ça aurait été bien. Mais le conflit a éclaté après. Ils tentent le conflit, ceux qui n'ont pas pu réussir avec le coup d'État, qui avait échoué les 2 août. Et maintenant, je le vois en train d'échouer encore. Notre peuple se défend. Je suis très heureux que vous tous ayez pris conscience de la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble, tous les partis politiques confondus, chez nous. Tous les Congolais se sont mis ensemble derrière le gouvernement. Ils m'ont soutenu, je dois l'avouer très sincèrement. Et je ne sais même pas ce que je ferai pour les rendre. Mais ce que je dois vous assurer, c'est que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour.
je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe où sur le plan social nos villages doivent être transformés parce que tout le monde a... Beaucoup de nos élites, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de citadins, des gens de ville qui sont habitués à la vie, ont peur de rentrer dans nos villages. C'est parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Nous étions donc engagés dans un programme de reconstruction qui a commencé à porter fruit. Et tout cela sans assistance extérieure. Parce que les habitudes politiques en Afrique, c'est qu'on doit attendre de l'aide de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, de la, quoi, je ne sais, de la Banque mondiale, de ceci, cela. Mais nous, nous avons dit, depuis quand nous luttions, autant, nous disions que notre lutte, c'est la lutte de l'intelligence contre la force brute. La force brute, c'est ça. Nous disions alors dans un des congrès au Maquis où il a participé en 1976 que parce que nous avons tout dans notre pays. Nous ne pouvons même pas les demander de l'assistance de l'homme. Il faut utiliser l'intelligentsia nationale pour transformer tout ce que nous avons. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement, économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifs ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime d'autre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça, ça. Moi, j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors, nous allons faire un plan pour résoudre votre problème. Ils disent, mais est-ce que vous aurez de l'argent? Mais si, on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandé. Messieurs, nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc. Moi, j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. Il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler des ministres belges ou français ou américains qu'ils aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne le faites pas là, chez moi, je ne veux pas. Et tout, je suis têtu, arrogant. Je dis, mais c'est pourtant la vérité, chez vous, ça passe bien. Ça doit aussi passer bien chez vous. Ne vous immiscez pas dans nos affaires. Alors, je dis, comment est-ce que vous allez avoir de l'argent? Vous ne ferez même pas 3 mois. Ben, il dit, 3 mois? Mais je ferai plus que 3 mois. Ainsi, vous connaissez, nous avons préparé un bon plan de reconstruction du pays
Ils nous ont dit qu'il faut aller le défendre à Bruxelles. C'est vrai, oui, on a envoyé une délégation à une conférence qu'ils ont appelée la conférence des amis du Congo. Ils ont dit, jeunes hommes, allez-y, défendez notre plan. S'ils vont donner de l'argent, c'est bien, mais moi je les ai promis qu'il n'y aura pas de l'argent à donner au Congo. Parce qu'ils savent bien, nous ne sommes pas en train de servir leurs intérêts. Si nous étions en train de servir leurs intérêts, ils donneraient quelques primes d'argent pour nous corrompre, pas pour développer le Congo. Alors maintenant, il faut un choix. Ou vous êtes pour le peuple, acceptez de rentrer sans argent, ou tu es pour eux, bouffe leur argent, rentre travailler pour ton peuple. C'est fini. Ils ont apprécié le plan et ils ont commencé à faire des éloges. Oh là là, c'est le premier plan cohérent qui a présenté ce pays-là. Ah, toutes ces années, le Mobutu ne faisait pas de plan. Mais il le faisait bien. Ils ont dit, ça c'est un plan cohérent, ceci, cela. Mais il faut travailler avec la Banque mondiale, il faut travailler avec ceci. Ils sont revenus, on va ouvrir un trust fund, un compte commun, c'est-à-dire un panier où ils vont jeter de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, hier, le ministre du plan ici me disait, président, il n'y a que 13 millions. Quoi? 13 millions, et encore que nous n'avons pas le droit de toucher à ces 13 millions. Parce que pour toucher les autres, et nous-mêmes, nous sommes nulle part. Et ils veulent dire dans quel secteur cet argent doit être utilisé. Moi, je les ai dit, alors là, ils peuvent oublier. S'ils veulent vous contrôler de cette façon-là, on n'a pas besoin de cet argent. 13 millions, c'est quoi? Vous me disiez qu'il y avait 80 millions. 84 millions. Moi, j'ai dit à tous ces ambassadeurs de l'Union européenne, mais 84 millions pour le Congo, c'est quoi? Nous avons beaucoup de moyens de faire sans cela. C'est de dollars par Congolais. Oui. Nous avons moyen de faire sans vous, sans cet argent. Et nous ne voulons pas de conditions. En tout cas, je vous ai dit, avec votre argent, nous on continue. Et nous avons plus que 100 millions, plus que le panier des autres. Et encore que nous n'avons pas le droit de décider de l'utilisation de cet argent. Vous voyez, ce sont des blabla, ils se sont trop familiarisés avec l'Afrique. Ils jouent avec nous comme des gamins. Mais cette fois-ci, ils ont vu que le Congo est devenu majeur. La reine. La reine. Nous n'avons rien contre les Américains, les Européens, le ceci, le cela. Mais vous-même, vous êtes témoin, écoutez RFI et d'autres. La campagne. Quelle bassesse, hein? Il ne faut qu'accuser le Congo. Tout ne va pas, ceci, cela, mais tout va trop bien. Sinon, le peuple ne se serait pas ligué autour du gouvernement. C'est maintenant que le peuple a compris que la politique, c'est la sienne. Nous ne sommes que des exécutants fidèles. C'est tout. C'est pourquoi tout le monde au Congo tend à se mettre ensemble avec la direction du pays, pour que nous puissions arriver à nos objectifs. Cette fois-ci, parce que la guerre est venue s'intercaler sur notre marche avant. Laurent Désiré Kabila décide également de porter son message à la communauté internationale en bloc, mais aussi auprès des différents partenaires privilégiés pris séparément, sans oublier des personnalités mondiales de premier rang, comme feu le souverain pontife Jean-Paul II, sauf que sa vision est loin de reposer sur l'apport extérieur. Et ce n'est pas ce balai diplomatique qui lui fera changer d'avis. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles,
pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. C'est peut-être cette vision qui sera à l'origine des événements du Palais des Marbres. Le 16 janvier 2001, ce palais avait vu pour la dernière fois son locataire franchir son seuil. Un soudain silence lourd pesait sur ce palais et ses marbres. Le peuple avait décidé de briser ce silence pour pleurer son soldat. Des chefs